Ok, c'est la mauvaise interprétation sur qui est qui. Et qui es-tu en réalité? Qui es-tu vraiment? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Parce que si je réponds, je joue le jeu du personnage, de l'identité qui essaye d'avoir une existence. Et que le boulot du silence, c'est bien de te faire oublier qui tu es, ou qui tu crois être, plutôt. Parce que c'est lui qui t'enseigne et pas moi. C'est lui qui est là pour, c'est comme un espace où tout ce qui est issu de l'individuel, de l'ego, de l'identité, est dissous automatiquement. Mais bon, comme je suis là pour répondre aux questions, je vais y répondre. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, ton identité? Que tu n'es pas là pour blablater, que tu as envie d'action, que tu as envie de te mêler à la foule, que tu as envie de changer les choses, mais qu'il y a un non-respect de ça. Et pourtant, ce besoin, il est basé en priorité. Qu'est-ce qui fait que tu ne respectes pas, malgré que ce soit une priorité? Respecter ton boulot de faire valoir. Être avant tout. Respecter ton rôle de mère qui signifie un rôle de bienveillance envers les autres. Voilà ce que je peux dire.